La Société Générale de Côte d'Ivoire est une banque financièrement solide. C'est ce qu'on retient de la conférence initiée par la banque afin de faire connaître son bilan semestriel à la presse et la communauté financière mardi 12 septembre au plateau. Pour le directeur général, la SGCI est en forte croissance dans tous les secteurs. Écoutez, il faut retenir le bilan d'une banque qui est en forte croissance. On a montré ce matin un PNB, donc c'est le chiffre d'affaires des banques en croissance de 18% au premier semestre 2023 par rapport à l'année dernière. Une banque qui est rentable, on a montré un résultat net sur le premier semestre de plus de 44 milliards de francs CFA, en forte croissance par rapport à l'année dernière. Et il faut retenir aussi que la Société Générale Côte d'Ivoire est une banque solvable. Nous avons un ratio de solvabilité, c'est-à-dire les fonds propres de la banque sur les risques qu'on prend, qui est très élevé à 15,6%, largement au-delà du minimum réglementaire qui est à 11,25%. Cette solidité est due, selon le directeur général de la banque, à plusieurs facteurs. L'importance de la liquidité, ce qui met la banque à l'abri de la faillite, une dynamique commerciale soutenue afin de maintenir une position de leader, mais surtout un portefeuille de crédit sain et diversifié. Même si la banque connaît une forte croissance, son directeur général a fait savoir qu'il était confronté à plusieurs défis, notamment celui des ressources humaines pour satisfaire les clients, mais surtout le défi de rapprocher sa banque des populations, longtemps considérée à tort ou à raison comme une banque de riches.